Bien ce film. Bonjour, pour ceux que je ne connais pas encore, je me nomme Gérard Rion et ils disent que je suis le fondateur des Assises, donc ça doit être vrai. Ça va être une édition encore plus exceptionnelle que d'habitude, je dis ça tous les ans, mais on essaye de faire mieux et vous jugerez par vos propres moyens de tous les efforts qu'on a essayé de mettre en place pour votre satisfaction. Tout ce que vous avez vu comme thématique sera bien évidemment, ou ils seront bien évidemment à l'honneur pendant ces 3 jours et demi. Mais on a un peu changé le programme. On n'avait jamais fait de conférence d'ouverture un mercredi à 11h30. Et quand on a programmé ça, on s'est dit, il faut vraiment que je prenne quelqu'un d'important, parce qu'autrement, je vais avoir 2 pelés. Et ben la salle fait 400, et on a arrêté à 402 il y a une quinzaine de jours. Je pense qu'il y en a qui vont être assis par terre. Ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce au monsieur à qui je vais laisser la parole dans 2 secondes. Je vais quand même vous en parler un petit peu, parce qu'en général, il est modeste et il n'ose pas trop parler de lui. Je voulais juste dire que depuis maintenant un certain nombre d'années que je connais Patrick, c'est quelqu'un qui œuvre véritablement pour notre industrie, pour notre profession, et qui a une passion de la sécurité des systèmes d'information. Je ne vais pas être plus emmerdouillant, ce n'est pas mon propos. Le propos, c'est qu'il vous passionne comme le titre va, entre guillemets, être décliné, à savoir oser dire non. Je voudrais que vous applaudissiez très fort le directeur général de l'ANSSI, Patrick Paillot. Merci Gérard, bonjour à tous. Comme chaque année, très impressionné d'être devant une foule aussi nombreuse. La dernière fois qu'on s'était vu dans cette formation, si j'ose dire, c'était à la clôture des Assises 2011. Et je ne voudrais pas faire insulte à DG Consultants, mais grosso modo, le monde s'arrête entre 2 Assises de la sécurité. Donc on se retrouve le lendemain ou 1 an après. Et bon, j'ai un peu l'impression qu'on ne s'est pas quitté. Alors d'abord, la première chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, avant de rentrer dans le cœur de mon intervention, c'est de remercier et de féliciter DG Consultant Gérard Rio et son équipe, notamment Sophie Guérin, qui est à la chef d'orchestre de l'organisation de ces assises depuis maintenant plusieurs années. Ils abattent un travail absolument incroyable pour que ces assises soient chaque année une réussite. Alors on est qu'au début, donc je vais avoir du mal à vous dire que les Assises 2012 sont une réussite. Quand je vois l'assistance, quand je vois la logistique qui a été mise en place, et quand je connais un peu les équipes qui ont travaillé sur cet événement, je suis intimement convaincu que ces Assises seront, comme chaque année, désormais une très grande réussite pour notre communauté. Ces mots de remerciement ne sont pas qu'une formule. Croyez-moi, mais avoir l'occasion, comme cela, une fois par an, de voir réunis tous les acteurs de la cybersécurité, et quand je dis tous, c'est vraiment tous, c'est une chance unique. Et mon premier message, la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, en introduction, c'est profitez-en. Les enjeux que nous avons à relever tous ensemble sont extraordinaires,
dans toutes les dimensions du mot. Et donc, profitez de ces 2 jours et demi pour échanger, partager, rencontrer, étudier, tester, acheter, prendre des contacts. Bref, ce n'est pas tous les jours que vous aurez l'occasion d'avoir tout le monde, les acteurs, les prescripteurs, les fournisseurs, les utilisateurs réunis ensemble. Et donc, profitez-en. La prochaine occasion sera probablement l'année prochaine. Alors, si je reviens maintenant au cœur de ce que je veux vous dire aujourd'hui, il y a essentiellement 3 messages. Si vous vous souvenez ce qu'était là l'année dernière, j'étais intervenu sur le thème de l'hygiène informatique, du retour aux bases, comme j'avais dit. J'avais utilisé un acronyme anglais, mais on me l'a reproché, donc je vais rester en français. Aujourd'hui, je voudrais bien vous dire que tout le monde s'y est mis, à cette hygiène informatique. Mais évidemment, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Pour autant, nous avons rencontré plusieurs entreprises, dont de très grandes, certaines sont présentes, qui ont, suite à cette proposition d'action que je faisais l'année dernière, mis en place un plan d'action, un plan concret d'action pour essayer d'améliorer la sécurité dans leurs entreprises, sur la base des quelques exemples que je donnais. Et voilà, moi, j'ai tendance à penser que c'est déjà le début d'un succès. Mais évidemment, c'est sans doute l'arbre qui cache la forêt. Je rencontre, au gré de mes activités, de nombreux chefs d'entreprise. Et le constat que je fais, la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre eux sont aujourd'hui, désormais, conscients de la nécessité d'agir, de faire quelque chose dans le domaine de la cybersécurité, notamment pour protéger leur propre patrimoine. Bon, il faut dire, pour être tout à fait honnête, que je viens parfois dans mes valises avec des choses qui les aident à comprendre. Mais parfois, ils sont simplement inquiets et se posent la question de savoir quel est leur propre niveau de sécurité. Par contre, la plupart du temps, même s'ils sont conscients qu'il y a un sujet, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont désarmés au sens où ils ne savent pas quoi faire concrètement. J'ai un problème, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est la question, grosso modo, qu'on me pose le plus souvent. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui le conseil que je donne généralement à ces grands chefs d'entreprise ou patrons de PME. Je leur dis, en matière de sécurité informatique, la priorité c'est l'hygiène, ça ne va pas vous surprendre, et que donc concrètement, il y a un certain nombre de vérifications à faire, de mesures à prendre, mesures qui sont proposées par l'ANSSI, je vais y revenir. Donc ce que je leur dis, c'est demander à votre directeur des systèmes d'information de faire ces vérifications, de vous en rendre compte, point par point, de faire un bilan de situation sur les mesures proposées, de proposer un plan d'action pour répondre aux éventuelles difficultés qui auraient été constatées lors de ces travaux. Alors, pour aider à ce travail, l'ANSSI publie aujourd'hui, donc ça va être disponible sur notre site, si tout va bien en sortant de cette intervention, en 13 étapes, nous publions aujourd'hui, un précis d'hygiène informatique. Ce précis propose donc en 13 étapes qui regroupe 40 règles d'assainir votre système d'information. Donc c'est un document, vous l'avez ici. Ces 40 règles très concrètes, pratiques, 40 règles qui doivent être toutes appliquées systématiquement. Appliquer ces 40 règles garantira à vos systèmes d'information une meilleure résilience face aux cyberattaques et donc protégera l'entreprise qui vous a fait confiance pour sa sécurité informatique. Avec ce document, plus personne n'a désormais d'excuses pour ne pas appliquer ces mesures. Alors je connais d'avance ce que l'on va me rétorquer, un peu de pratique maintenant. On va me dire, votre document, c'est trop compliqué. Ce n'est pas en relation avec la réalité terrain. Je ne crois pas. Nous avons maintenant, croyez-moi, suffisamment de recul, un nombre incalculable d'interventions terrain auprès d'un certain nombre d'entreprises qui avaient des soucis, pour être convaincu que ce qu'on vous propose, c'est faisable. Mais bon, admettons. Ce que l'on publie aujourd'hui, c'est une version, on va considérer que c'est une version V0 de ce document. Une version de travail. Et donc, je fais appel à vous, aujourd'hui, utilisateurs, prescripteurs,
développeur de solutions, responsable de sécurité des systèmes d'information des entreprises. Vous avez un mois pour nous faire tous les commentaires que vous voudrez, si possible constructifs et utiles, sur ce document. Ce que j'appelle un commentaire constructif et utile, c'est tout sauf « Ah non, cette règle, on ne peut pas la faire parce que c'est trop compliqué ». Et à l'issue de cet appel à commentaires que je fais aujourd'hui, on publiera une première version véritablement officielle de ce document. Mon objectif dans cette affaire, il est extrêmement simple. Je ne veux plus qu'il soit possible qu'on me dise « On ne savait pas quoi faire, c'est compliqué, mon pauvre monsieur, si vous saviez, on n'a pas la compétence en interne pour faire les prescriptions de sécurité que vous faites ». Il va donc désormais y avoir en France une liste publique de vérifications à faire, de mesures très simples à prendre, compréhensibles par presque tout le monde, je pense, et en tout état de cause, très facilement compréhensibles par les informaticiens. Et pour faire court, et si vous voulez le fond de ma pensée, ceux qui n'auront pas appliqué ces mesures ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes. Cela m'amène au deuxième sujet que je voulais évoquer ce matin devant vous, qui lui aussi fait souvent l'objet de « Mon pauvre monsieur, si vous saviez », et qui résonne avec le titre de mon intervention sur le pouvoir de dire non. Sur les arguments et sur les raisons de l'absence de sécurité informatique, je crois que j'ai entendu, depuis maintenant un certain nombre d'années, tous les arguments possibles et imaginables. Et le plus souvent, ils se résument en deux grandes familles. La première famille, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, on ne sait pas quoi faire. Donc, si vous m'avez suivi, le document qu'on vient de publier, il vise, pour partie bien sûr, à répondre à cette première question de « c'est trop difficile ». Non, c'est pas trop difficile. Et le deuxième gros argument, sur lequel je vais m'arrêter un tout petit peu, c'est ce n'est pas accepté par les utilisateurs. C'est trop de contraintes, c'est trop difficile, on veut des iPads. Ou autre. Donc, à force d'entendre comme vous ces arguments, je me suis forgé la conviction que, in fine, on a dans le monde immatériel des modes de raisonnement que l'on n'a pas dans le monde matériel. Je vais prendre avec vous quelques exemples. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien illustrer le discours par quelques exemples concrets. D'abord, la vitesse. Dans le monde immatériel, il faut être connecté à tout en permanence pour aller vite, recevoir ses mails dans la seconde, etc. etc. Passons dans le monde réel. Si vous voulez faire Paris-Lyon et que vous voulez le faire en voiture, vous êtes limité à 130 km/h. Pourtant, si vous pouviez aller plus vite, ou si vous alliez plus vite, puisque, grosso modo, il y a beaucoup de voitures qui dépassent aujourd'hui les 130 km/h, eh ben, vous arriveriez à temps, plus vite, vous pourriez voir plus de monde, vous pourriez travailler plus, mais grosso modo, en moyenne, ben, vous ne le faites pas. Parce que globalement, il y a une règle, code de la route, des interdictions, des limitations de vitesse, et que globalement, ben, grosso modo, surtout ces derniers temps, vous les respectez. Bon, il faut dire qu'il y a des gendarmes au bord de la route qui vous aident à les respecter si jamais vous aviez quelques tentations. Deuxième exemple, les mots de passe, les cartes d'authentification, les tokens, c'est pénible. C'est long, on perd du temps, et puis il faut se rappeler du mot de passe, et puis il faut verrouiller son ordinateur quand on part, toutes choses qui sont globalement inutiles et pénibles à faire. Pourtant, quand vous quittez chez vous, l'immense majorité des gens ferment les fenêtres, les volets si vous êtes au rez-de-chaussée, les serrures multiples, généralement vous avez une serrure 3 points, 5 points, probablement certains d'entre vous ont des alarmes, vous l'activez, vous mettez un code, etc. Vous fermez le portail, bref, vous ne laissez pas tout ouvert. Vos affaires de valeur, je suis sûr qu'un très grand nombre des gens qui nous disent que la sécurité c'est compliqué, ont des valeurs de valeur et un grand nombre de nos citoyens ont un coffre à la banque. Pourtant, la banque, il faut y aller, il faut s'organiser, il faut se déplacer pendant les horaires d'ouverture, généralement pendant les horaires de bureau.
Donc, compliqué. Donc, vos affaires de valeur, généralement, bah, vous ne les laissez pas traîner n'importe où. Et puis, vos affaires de valeur, vous les triez. J'imagine pas chez vous, enfin, j'espère en tout cas, que vous avez mélangé vos feuilles d'impôt et vos feuilles de salaire avec le dernier prospectus que vous avez reçu dans la boîte aux lettres. Pourtant, c'est bien ce que l'on fait dans le monde immatériel. On mélange tout. On mélange les données les plus sensibles avec le tout venant. On les stocke n'importe où. Et le NEC plus ultra, les données sont accessibles sans aucune limitation, depuis partout, depuis n'importe quel terminal, de façon immédiate et sans aucune contrainte, avec le cloud, Evernote, votre smartphone, etc., etc. Donc j'arrête là les exemples. La question que moi je me pose, c'est pourquoi dans l'immatériel, on n'accepte pas les contraintes et que l'on croit en sécurité. Alors, je ne vais pas vous faire un discours de sociologue, de psychologue, de philosophe. Moi, je suis simplement un ingénieur. Mais ce dont je suis sûr, en tout état de cause, c'est que si on ne change pas ses comportements, eh ben, on n'arrivera à pas grand-chose, comme dans l'hygiène informatique dont je vous parlais en introduction ou l'année dernière. Le message à faire passer est donc que dans le monde immatériel, comme ailleurs, il y a des règles, il y a des contraintes, et que ce n'est pas la jungle. Et ceux qui ne respectent pas les règles, d'une manière ou d'une autre, ils sont sanctionnés. Alors, je sais, les systèmes de sécurité, ils sont parfois lourds. Je sais, les tablettes, c'est formidable. Mais restons deux secondes sur cette question des tablettes, parce que le sujet est très fréquemment évoqué. J'ai rien contre la technologie. De toute façon, une bagarre contre une technologie, c'est une bagarre perdue d'avance. Et pour être tout à fait honnête, je suis intimement convaincu qu'à terme, elle va au moins pour partie remplacer les ordinateurs portables. Donc la technologie, elle est ce qu'elle est. Mais dès qu'on connecte une tablette au système d'information, doit-on, je vous pose la question, accepter pour pouvoir l'utiliser de façon nominale, pour pouvoir faire autre chose que juste la regarder, passer par exemple par les fiches codine de la gestion d'identité d'Apple et de Google? Eh bien, je dis clairement non. En tout cas, dès que l'on manipule des données sensibles. Et franchement, dans le milieu professionnel, qui ne manipule pas de données sensibles? Des contrats, des fichiers clients, les résultats de l'entreprise, l'organisation, vos marges opérationnelles, l'organisation de la production, tout ça, c'est des données sensibles. Alors, il y a des solutions, ou du moins, elles commencent à pointer leur nez, qui permettent de répondre aux besoins de mobilité et qui s'adaptent tant bien que mal aux nouvelles technologies. Mais évidemment, elles sont moins conviviales, plus difficiles à gérer pour les équipes informatiques et forcément, elles coûtent un peu d'argent. Toutes de bonnes raisons pour ne pas les utiliser. Je vais vous dire ma vision des choses. Il faut entrer en résistance contre la liberté totale dans l'usage des technologies et de l'information. Dans une entreprise, non, on ne travaille pas avec son terminal privé. Non, on ne connecte pas un terminal contrôlé par un tiers. Non, on n'installe pas le dernier joujou à la mode. Non, je ne mets pas les données de mon entreprise dans le cloud gratuit. Non, je ne mélange pas, je ne mets pas au même endroit les données sensibles et les autres. Non, je ne laisse pas connecter mon ordinateur si je ne suis pas présent. À l'étranger, non, je ne peux pas, dans ma chambre hôtel, accéder à la totalité de mon système d'information sans aucun dispositif de sécurité. Non, je ne vais pas au restaurant en laissant mon portable avec des données sensibles dans ma chambre d'hôtel. Non, je n'envoie pas par email des informations très sensibles. La sécurité, c'est aussi avoir le courage de dire non. Évidemment, c'est au patron de l'entreprise de dire non et d'assumer ses règles. Et comme l'hygiène informatique vis-à-vis des informaticiens, je crois que c'est possible de dire non. En matière de sécurité, pardonnez-moi cette référence détournée des années 68, il est autorisé d'interdire. Alors évidemment, et ce que je vais vous dire là est un élément critique du discours, face à l'interdiction, il faut d'une part expliquer les raisons de ces contraintes, et d'autre part, lorsque la demande correspond à un besoin réel et pas à une envie, trouver et expliquer la façon, certes sans doute moins conviviale, mais d'arriver au même résultat. Donc en fait, la bonne réponse, ce n'est pas non, mais non mais.
Une telle posture a également un autre avantage. Plutôt que d'enrichir encore un peu plus les fournisseurs de solutions non sécurisées, le plus souvent gratuites, on favorisera les industriels qui, tant bien que mal, et ils sont ici nombreux, essayent de fournir des solutions sécurisées. Il y a un dernier point que je voudrais exposer devant vous. Ce sujet est plus grave, d'une certaine façon, que les deux autres. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité et qui suivent un peu ce que fait l'ANSSI, il ne vous aura pas échappé, j'espère, que l'ANSSI a, il y a quelque temps, en tout cas avant l'été, publié un guide, en fait, plus pratiquement un guide et un cap pédagogique sur la sécurité des systèmes industriels. J'en profite d'ailleurs, pardonnez-moi cette petite coupure dans mon discours. L'ANSSI n'a pas publié que ça. Donc si je vous fais la liste un peu de ce qu'on a publié, on a publié des recommandations sur la sécurité relative à GNU Linux. On a publié des recommandations de sécurité relatives à la mise en œuvre d'IPsec pour la protection des flux réseaux. On a publié très récemment des recommandations relatives à la téléassistance. On a publié une méthodologie et des outils d'audit sur les permissions des Active Directory, donc les annuaires d'entreprise. Ce point, j'en avais parlé l'année dernière, est un élément essentiel. Nous avons publié un guide sur les problématiques de sécurité associées à la virtualisation des systèmes d'information. C'est plus technique. Un guide pour la définition d'une architecture de passerelle d'interconnexion sécurisée. Nous avons mis à jour les bons réflexes en cas d'intrusion sur un système d'information. On a encore trop de gens qui nous appellent en disant on a eu une intrusion, bon on a tout réinstallé, mais est-ce que vous venez venir nous aider ? C'est un peu compliqué quand tout a été effacé. Et puis enfin on a publié des conseils de prévention et de réaction en cas de déni de service. Je ne sais pas quelle entreprise aujourd'hui n'est pas victime un jour ou l'autre de déni de service. On a publié des recommandations. Bref, on a pas. Ça c'est sur les 12 derniers mois. Alors, je ne cherche pas à améliorer mon indicateur de publication de guide, même si je pousse beaucoup mes collaborateurs à le faire. Si on publie ces recommandations, c'est pour qu'elles soient utilisées. Alors, elles ne sont pas utiles à tout le monde dans tous les cas, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure sur les règles d'hygiène. Mais dans un certain nombre de cas, elles vous sont utiles. Ces recommandations, utilisez-les. Abusez-en, si j'ose dire. On les publie, c'est gratuit, il n'y a pas de royalties là-dessus. Vous pouvez les recopier, les transférer, les diffuser. Donc il n'y a pas de limite. Donc ces éléments, je vous en conjure, utilisez-les, abusez-en et faites-nous bien sûr de retour. Parce que ces documents sont forcément perfectibles, discutables, etc., etc., améliorables, etc. Donc faites-nous des retours sur ces documents, ce que vous en pensez, ce qui ne va pas. Et puis bien sûr, je vous le dis chaque année, dites-nous aussi de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un guide sur je ne sais trop quoi ? Dites-le nous. Bref, je reviens à mon sujet de la sécurité des systèmes industriels. Et pour être tout à fait sérieux, je dois vous dire que ce sujet m'inquiète, nous inquiète énormément. L'exemple d'Aramco en Arabie Saoudite cet été n'est d'ailleurs pas là pour me rassurer. Bon, pour les trois personnes dans la salle qui ne sont pas au courant de cette affaire, je rappelle, c'est une attaque informatique contre, je dirais, le principal raffineur de pétrole en Arabie Saoudite. Cette attaque informatique, elle a eu pour effet de détruire informatiquement, c'est-à-dire d'effacer totalement les disques durs, y compris les secteurs de boot, de 30 000 ordinateurs. Donc, je ne sais pas si vous imaginez votre entreprise dans lequel, du jour au lendemain, on aurait effacé tous les ordinateurs, c'est-à-dire pour les rendre totalement inutilisables. On est dans un acte stricto sensu de sabotage, hein, ni plus ni moins. Cette attaque, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que cette attaque, grosso modo, sans rentrer dans le détail de ce qui s'est passé concrètement, c'est une attaque qui est très facile à mener. Une attaque comme celle-là, c'est plus facile à faire que de l'espionnage. Or, des affaires d'espionnage, on en a beaucoup. Pourquoi c'est plus facile ? Parce que, grosso modo, ça commence pareil. Je pénètre le système d'information et j'en prends le contrôle. Dans le cas de l'espionnage, je m'installe, je reste discrètement aussi longtemps que possible, des semaines, des mois, voire des années, et je fais fuiter, exfiltrer l'information qui m'intéresse le plus discrètement possible.
Ça, c'est l'espionnage. Dans le cas du sabotage d'Aramco, là, c'est beaucoup plus trivial. C'est-à-dire, c'est pareil, je rentre, je pénètre, je prends le contrôle. Et puis, au lieu de rester discrètement, j'envoie une commande d'aile étoile pour étoile, pour ceux qui connaissaient MS-DOS. Donc, d'effacement total des disques durs. Honnêtement, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus simple que de rester pendant des mois ou des années discret à l'intérieur d'un système d'information. Donc, des attaques comme celle-là sont grosso modo faciles à faire. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas pour nous rassurer. Et ça ne nous rassure pas parce que pour deux grands mouvements que nous observons ces dernières années, c'est tout d'abord le fait que de plus en plus de systèmes industriels deviennent des systèmes informatiques. Donc, grosso modo, la technologie qui est utilisée dans ces systèmes, c'est de la technologie, grosso modo, des PC, sous Windows ou sous Linux, avec des technologies réseau absolument classiques, IP, puisqu'il n'y a plus que ça aujourd'hui comme technologie, et que ces systèmes industrialisés, ces systèmes industriels, on les interconnecte avec le système d'information de l'entreprise. On les interconnecte pour une seule raison, généralement, c'est parce qu'on a besoin de gérer sa production de façon informatisée. Donc, si vous installez un ERP, un système de gestion de production, je ne vais pas citer de nom, mais enfin bon, vous les connaissez les grands, d'une certaine façon, si vous voulez en temps réel gérer votre production, vos stocks, votre logistique, vous avez besoin de vous interconnecter avec votre système industriel. Donc d'une part, on a des systèmes industriels qui deviennent des systèmes informatiques et qui d'autre part s'interconnectent avec le système d'information de l'entreprise, voire avec Internet. La plupart du temps, de toute façon, le système informatique de gestion de l'entreprise est interconnecté avec Internet. Et deuxième élément qui nous inquiète, c'est qu'on voit de plus en plus de personnes s'intéresser à l'attaque de ces dispositifs. On a d'ailleurs quelques exemples, on en a parlé. Je ne veux pas revenir sur Stuxnet. Hein. Mais quand vous regardez sur Internet, vous verrez de plus en plus de gens s'intéresser à l'attaque de ces dispositifs. Et donc, mon premier message sur ce sujet, c'est qu'il est absolument impératif pour les entreprises qui disposent de systèmes industriels qu'elles vérifient bien l'isolation de ces derniers de l'Internet. Et si ce n'est pas le cas, je n'ai pas d'autre recommandation à faire que de les déconnecter. Et je suis extrêmement sérieux dans ce que je dis. Si jamais, pour des raisons de fonctionnement, il est impossible de les déconnecter, il est urgentissime de travailler rapidement à une solution alternative. De la même façon, je voudrais attirer ici l'attention des industriels qui développent et installent des systèmes industriels. Je vous ai dit précédemment qu'il fallait respecter les règles d'hygiène informatique. Et je vous ai dit grosso modo qu'il n'y a aujourd'hui plus d'excuses pour ne pas respecter ces règles. C'est le minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre. Dans le cas des systèmes industriels, c'est presque criminel, et je pèse mes mots, de ne pas respecter ces règles. Et donc il est absolument intolérable que sur un système industriel, on retrouve par exemple des mots de passe par défaut. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, parce que mon discours est probablement un peu anxiogène, comme d'habitude, mais de ma part, il ne faut pas vous attendre à autre chose. Dans la majorité des cas de ce que nous avons observé, et dans la totalité des cas, s'agissant des systèmes industriels critiques, ces règles sont bien respectées. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de systèmes industriels. Et par ailleurs, l'évolution que je vous ai signalée, c'est-à-dire de remplacement des technologies anciennes par des technologies informatiques et de l'interconnexion avec les systèmes d'information, c'est un mouvement qui a tendance à s'accélérer. Et que donc, si on n'y fait pas attention, à l'avenir, on sera probablement dans une position extrêmement difficile. Plus largement, même si ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui, je ne saurais trop vous recommander de vous plonger dans l'étude de cas que nous avons publiée. Vous y trouverez sur ce sujet matière à réflexion. Cette étude de cas, c'est grosso modo quelqu'un, un responsable de sécurité, qui arrive dans une entreprise qui a des systèmes industriels et qui visite d'une certaine façon l'entreprise
et qui pose tout un paquet de questions pour attirer l'attention, en fait. Donc, c'est un peu pédagogique pour les gens qui gèrent ces systèmes. Et donc, et derrière, vous avez un guide avec un certain nombre de recommandations. Sachez en tout cas que ce sujet est pour nous, l'ANSSI, une priorité et que nous sommes à la disposition de tous ceux d'entre vous qui voudraient échanger sur ce sujet. Et je suis, croyez-moi, intimement convaincu que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir dans les années à venir. Voilà les trois points que je voulais citer essentiellement aujourd'hui. Alors, au moment de clore mon intervention, je mesure bien une nouvelle fois, comme chaque année, le côté un peu agressif et professoral de mon discours. Et pour être tout à fait sincère, vraiment, je préférerais être parmi vous et profiter des trois jours ici au lieu de devoir repartir demain matin aux aurores. Je préférerais vous dire que cette année, les attaques ont baissé. Je préférerais vous dire que nos clignotants sont au vert, au moins à l'orange, que mes équipes d'audit n'arrivent plus à pénétrer dans les systèmes d'information qu'ils essayent de pénétrer, mais que le monde cyber s'apaise. Malheureusement, ce n'est pas ce que je constate et ce n'est probablement pas ce que vous constatez non plus. Et si on ne fait pas changer les choses, et bien, je pourrais être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas où on va. Ou plutôt si, je sais où on va, mais je ne crois pas que quiconque ait envie de ce monde-là. L'ANSSI, plus que n'importe qui, doit agir. Et permettez-moi aujourd'hui de rendre un hommage chaleureux à mes collaborateurs, dont les nuits sont souvent courtes. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de l'ANSSI dans mon intervention. Alors, bon, je sais que toujours ça intéresse, il y a souvent des questions. Donc, je vais vous livrer trois petites brèves pour la partie people de l'ANSSI. Premièrement, les divisions techniques de l'ANSSI vont déménager au cours du second semestre 2013. Donc, nos locaux, vous savez qu'on est en croissance significative. On doit être aujourd'hui autour de, à l'heure où je vous parle, 250 personnes. Et nos locaux actuels aux Invalides sont évidemment devenus bien trop petits pour absorber notre montée en puissance. On a même des modulaires que nous avons installés. Et donc nous allons, en tout cas tous les laboratoires techniques, toute la partie technique de l'ANSSI va s'installer dans de nouveaux locaux de haute qualité environnementale dans le 15e arrondissement de Paris. Deuxième actualité sur l'ANSSI que je voulais citer devant vous, je vous ai présenté l'année dernière le nouveau logo de l'ANSSI. Bon, le challenge que nous avons glissé dans ce logo, je le signale à toutes fins utiles, n'est toujours pas résolu. Non, ce que ça amuse. Et enfin, surtout, je le dis chaque année, donc pardonnez-moi, je continue. Nous continuons à recruter, sans doute probablement autour de 80 personnes l'année prochaine en tenant compte du turnover. Donc si vous connaissez des candidats de valeur qui n'ont pas trop besoin de sommeil, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à candidater. La liste de nos postes, de nos fiches de poste est consultable sur notre site internet. Vous les trouverez aussi sur notre stand. Et puis, je veux dire, les fiches de poste, c'est une chose. S'il y a des gens qui veulent travailler dans ce domaine-là et qui ne se retrouvent pas forcément dans la fiche de poste, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On verra bien les suites qu'on peut y donner. Alors voilà, j'en ai terminé sur ce que je voulais vous dire. Il me reste à vous souhaiter de bonnes assises de la sécurité. L'ANSSI est, comme l'année dernière, présente avec un stand. Donc ça nous donnera l'occasion de multiplier les échanges. On est là pour vous écouter, répondre à vos questions. J'ai plusieurs personnes qui sont là, de mon équipe de communication, de mon équipe en charge de tous les produits de sécurité et mes équipes en charge du conseil. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir pour voilà, nous faire vos commentaires, vos idées, vos remarques, vos questions, que vous soyez là encore prescripteur, utilisateur, industriel ou autre. Voilà, donc merci à tous, bonnes assises de la sécurité et je dirais pour conclure et essayer de respecter les règles que je vous ai appelé à mettre en œuvre. Non, je ne répondrai pas à vos questions, mais si vous insistez, évidemment, je suis quand même prêt à répondre à certains d'entre vous. Merci à tous et bonnes assises. On a un quart d'heure, 20 minutes pour discuter. Donc voilà, je suis prêt
à répondre à vos questions. Bonjour, Jérôme Cesse de Security Vibes, la communauté, le magazine de la communauté Qualys. J'aimerais revenir sur le rapport Bockel, du sénateur Jean-Marie Bockel, qui préconisait de ne plus utiliser de routeurs, notamment d'origine de fabrication chinoise. Alors, monsieur le sénateur ne pratique pas la SSI, vous oui. Est-ce que concrètement l'ANSSI va suivre cette recommandation et recommander, proposer aux opérateurs d'importance vitale, par exemple, ou aux opérateurs tout court, d'utiliser d'autres matériels, ou allez-vous tout simplement passer pudiquement sur cette recommandation ? Nous, notre posture par rapport à cette question, elle est plus large. Je pense qu'on a déjà d'ailleurs dû l'évoquer l'année dernière, si je me souviens bien, peut-être je mélange avec une de mes autres interventions. La question qu'il faut se poser, c'est quand vous avez des systèmes essentiels, comment vous assurez que vos systèmes ils font exactement ce pour quoi ils sont faits et qu'ils fonctionnent correctement. Donc c'est un problème, grosso modo, alors pardonnez-moi le jargon, d'analyse de risque. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas mélanger les données sensibles des données pas sensibles, etc., etc. Donc, je dirais, pour vous donner un exemple concret de ce que l'on pratique et qui est un extrême, dans le domaine du secret défense, c'est-à-dire quand on veut protéger des informations essentielles, d'une certaine façon, à la survie de la nation, et qu'on veut donc les protéger contre tout type de menaces, quelle qu'elle soit, de nature informatique, en tout cas c'est de ça dont je parle, eh bien, on s'adresse à des industriels et on exige, grosso modo, que la totalité du matériel soit sous contrôle national. Donc, typiquement, on a un nouveau téléphone, secret défense, qui s'appelle Théorème, a été fabriqué par la société Thales. Bon, je passe sur le jeu de mots, bon, enfin pour les mathématiciens en tout cas. Ce téléphone, il a été fabriqué, en tout cas pour tout ce qui est composant de confiance, y compris le hardware, y compris dans les composants, 100% en France. Donc ça, c'est pour nous assurer. Alors on a pris tout un paquet de précautions sur les algorithmes crypto, enfin je ne reviens pas, d'abord je ne détaillerai pas d'ailleurs. Évidemment, ça a un coût. Un téléphone comme ça, ça coûte évidemment pas la même chose qu'un téléphone lambda, que celui que vous avez à la maison. Et par ailleurs, un téléphone comme ça, pour revenir sur mon discours de tout à l'heure, il est évidemment d'un degré de convivialité moindre. On ne peut pas tout faire avec un téléphone comme ça que vous pourriez faire avec un BlackBerry, un Android ou un iPhone. Un téléphone comme ça, compte tenu du coût, on ne va pas le déployer partout. Donc le sujet, c'est quand vous avez un patrimoine que vous jugez essentiel, c'est comment vous le protégez. Et donc, eh bien, il s'agit. Donc, moi, je dirais sur la recommandation du sénateur, le sénateur, je veux dire, je représente l'administration, l'exécutif, si vous voulez. Et donc, il ne m'appartient pas de commenter sur une proposition faite par le législateur. En tout état de cause, ce que moi j'appelle toute la communauté, c'est à mener ce travail d'analyse de risque et de regarder dans tout son système d'information quels sont les éléments sensibles, quels sont ceux qui ne l'ont pas, quels sont ceux qui méritent qu'on y prenne des précautions importantes. Et parmi les précautions importantes, il y a bien sûr évidemment quel est mon fournisseur, jusqu'à quel point je peux avoir confiance dans ce fournisseur, est-ce que ce fournisseur, il est labellisé, il n'est pas, etc. Qu'est-ce que je peux maîtriser dans ce fournisseur. L'exemple de Facebook, je ne sais pas si vous avez la question, qui c'est. Vous avez vu la communication ce matin de la ministre aussi. Facebook, pour moi, ça illustre, ni plus ni moins, indépendamment du fait de savoir si Facebook a bien géré ou mal géré la protection des données personnelles des individus. Il semble que, grosso modo, c'est plutôt dans le fait que c'était compliqué à gérer, que se situe la réponse à la question. Mais peu importe, oublions ce sujet-là, indépendamment du fait que c'est bien géré ou pas géré. Facebook, quand vous l'utilisez, c'est gratuit, vous ne le maîtrisez pas. C'est-à-dire, Facebook offre un service, bon, pas bon, utile, pas utile, c'est pas mon débat.
La seule chose, c'est que vous ne le maîtrisez pas. C'est-à-dire, les règles qui s'appliquent sont les règles qui sont proposées par Facebook. Personne ne vous oblige à l'utiliser, hein, mais simplement, vous ne le maîtrisez pas. Donc, est-ce grave ou est-ce que ça ne l'est pas ? Ce qu'on dit et qu'on répète à longueur de journée, c'est que quand vous êtes une entreprise et que vous avez des données sensibles, il faut que vous puissiez, d'une certaine limite, garder la maîtrise de votre système d'information. Et donc, vous ne pouvez pas faire appel à des solutions dans lesquelles vous n'avez pas le moyen de négocier à minima un certain nombre de clauses. J'en profite, pardonnez-moi, on a publié il y a maintenant quelques années, pour 2 ans, quelque chose comme ça, un guide sur l'externalisation qui donne une liste de clauses que vous pouvez exiger quand vous vous adressez à un prestataire. Il ne s'agit pas de reprendre toutes les clauses, mais ces clauses, vous pouvez les utiliser. Face à Google sur le cloud lambda, face à Gmail ou face à Facebook, ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire. Ils offrent, c'est pas un reproche que je leur fais, c'est simplement ils ont défini un certain niveau de sécurité. Bon ou pas bon, ce n'est pas mon débat. C'est eux qui l'ont choisi, ce n'est pas vous. Et donc, quand vous avez des informations sensibles à protéger, il vous appartient de définir quel est votre besoin de sécurité et pas à un tiers. Voilà, c'est ma réponse. Longue. Moi, j'ai une question. Pour toi, à 2 ou 3 ans, le principal défi de l'ANSSI, c'est quoi ? Alors, le principal défi de l'ANSSI, pour nous, c'est la dernière partie de mon intervention, c'est-à-dire les systèmes industriels. Pour être tout à fait honnête avec vous, si je regarde, on a beaucoup évolué hein, dans notre travail depuis qu'on a créé l'ANSSI en 2009. Pourtant, c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Je dirais, en 2009, quand on a créé l'ANSSI, je pense que 80 à 90% de mon activité était tournée vers l'administration. Si je regarde à l'instant T, au moment où je vous parle, et ce que je vais vous dire, je grossis pas, hein, je pense que 80% de mon activité est tournée vers le secteur privé, et notamment vers les grands opérateurs, ce que nous on appelle les opérateurs d'infrastructures vitales, les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, enfin, etc., etc. Et donc je pense que l'enjeu pour l'ANSSI, et plus largement d'ailleurs pour la nation, à l'avenir, c'est un enjeu qui n'est pas spécifique à la France. Enfin, si vous regardez les discours de mes homologues étrangers, ils vous diront la même chose. Enfin, tout ceci n'est absolument pas original et absolument moderne. Mais l'enjeu pour les nations aujourd'hui, c'est bien de vérifier que l'ensemble des systèmes d'information dont la nation a besoin pour vivre fonctionnent correctement et sont bien sécurisés contre des attaques ou des pannes. C'est probablement, et notamment dans la dimension industrielle, c'est probablement l'enjeu majeur pour les 5 ans à venir, pour ce qui nous concerne. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une question là. Oui, mais est-ce que le micro fonctionne ? 2 questions. Une technique, comment vous protégez les modulaires dans la cour des Invalides ? La deuxième, c'est que vous savez que les iPads, les Android, servent un défi important d'entreprise qui est la productivité des salariés et la compétitivité dans un théâtre mondial où la compétitivité est quand même un sujet difficile. Je ne peux pas croire qu'à l'ANSSI, vous n'ayez pas réfléchi à ce défi-là. Comment combiner le coût de production, le confort de l'utilisateur, la sécurité et la productivité qui, elle-même, fabrique de la productivité. Est-ce que vous pouvez nous aider à rentrer dans ce triangle sans interdire les iPads, puisque de toute manière, si on les interdit, ils arriveront toujours par la fenêtre, sans interdire Facebook, quoi qu'on peut y arriver. Est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à nos challenges, qui sont vraiment des challenges de compétitivité ? Alors, et pour les modulaires, donc comment vous les protégez dans la cour ? Bah, venez, vous verrez. Donc, il y a... Il y a des gendarmes, Patrick, il y a des tourniquets, il y a des badges. Croyez-moi. J'ai oublié de préciser que c'était dommage, quoi. Donc, oui, non, mais qui ne connaît pas Eric Thomas ? Vous pouvez poser une question. Si tu étais intervenu déjà l'année dernière, si je me souviens. Mais... Non, c'est bien protégé, croyez-moi. Ça, c'est bien protégé. On a dépensé de l'argent là-dessus. Non, la deuxième question est plus importante. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que productivité, oui, confort, faut voir. Je veux dire,
dans une entreprise, enfin, on va encore multiplier les exemples, si les gens ils veulent des Ferrari parce que c'est confortable, vous ne leur en achetez pas, quoi. Enfin, en général, hein, en moyenne. Donc productivité... Sauf chez Eric. Pardon ? Sauf dans sa boîte. Oui, oui. Non, mais bon, productivité, oui. Confort, non. Enfin, plus précisément, on doit pouvoir accepter certaines limitations. Donc, cette productivité, on peut la faire. Je veux dire, il n'est pas question de dire qu'en mobilité, les gens ne puissent pas accéder au système d'information. Il est évidemment impensable d'imaginer que les gens ne puissent plus consulter leur messagerie en mobilité. Pour autant, ce n'est pas pour autant qu'on doit prendre un iPhone ou un Android, brut de fonderie, utiliser la gestion d'identité, parce que si vous voulez utiliser un iPhone, il faut vous inscrire sur iTunes. Si vous voulez utiliser un Android, il faut vous inscrire chez Gmail. Ce n'est pas pour autant que vous devez forcément accepter la totalité, ce que je disais tout à l'heure. Il y a des solutions à ça. Le problème de ces solutions, c'est qu'évidemment, elles ne sont pas forcément aussi conviviales et elles, en tout cas, elles n'offrent pas toutes les fonctionnalités qu'un terminal totalement débridé offrirait. Et que deuxièmement, les entreprises qui développent ces solutions, eh bien, elles ont un marché qui est assez étroit. Donc, ces outils seront d'autant plus conviviales que le marché se développera parce que les entreprises pourront faire des investissements. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux ou vertueux selon la façon dont on le prend, qui est aussi un sujet de compétitivité d'ailleurs pour nos propres entreprises, c'est d'avoir la capacité à fournir des solutions. Mais il faut bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien que les patrons d'entreprise aient à l'esprit qu'il va bien falloir imposer quand même un minimum de règles. Et que dans la course qui nous oppose au développement de la technologie de l'information, qui est tirée par les loisirs, je veux dire, ce qui tire le développement aujourd'hui des terminaux, de la mobilité, etc., c'est les loisirs, ce n'est pas la sécurité. On peut s'en plaindre, mais c'est comme ça. Donc, de toute façon, ça, on n'y peut rien. Il faut bien, un moment ou un autre, on n'arrivera pas à la rattraper à court terme, cette course. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire. C'est un mensonge de dire, de dire qu'on pourra fournir des iPhones débridés, sécurisés. Ça, ce n'est pas vrai. Et en tout cas, ce n'est pas vrai dans les 5 ans qui viennent. Et donc, il faut bien accepter le fait qu'il y a un minimum de contraintes quand on est dans un milieu professionnel, et notamment dans un milieu professionnel sensible. Sachant qu'il va falloir me trouver des milieux professionnels non sensibles. Enfin, en tout cas, dans la salle, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et donc, d'une certaine façon, je récuse ce discours sur la productivité et la convivialité. L'ANSSI, si je prends l'exemple de l'agence que je dirige, on a 2 réseaux. Un qui est connecté à Internet et l'autre qui ne l'est pas. On a des outils de sécurité. Et ben, j'ai pas l'impression, pardonnez-moi, mais qu'on soit pas performant. J'ai pas l'impression que mes équipes soient pas performantes. Je suis pas le meilleur juge, probablement. Donc, je ne crois pas que mettre en place des dispositifs de sécurité, ce soit forcément un frein à la mobilité. Je crois que c'est plutôt une excuse pour faire plaisir aux gens, confortable, ne pas se fatiguer à mettre en œuvre de la sécurité. Et donc, l'objet, moi, de mon intervention aujourd'hui, c'est vraiment de dire il faut à tout prix résister contre cette tendance, parce que de toute façon, on n'a pas de réponse et on n'aura pas à court terme de réponse. Bien, on va vous annoncer une bonne nouvelle, parce qu'après, on a un problème d'horaire. Alors, on prendra encore une question, mais Patrick reviendra l'année prochaine pour un autre défi. Donc, on va laisser la dernière question et après, je conclurai rapidement. Une question, parce que le... Alors, j'ai... 1, 2... Je vous entends pas, il y a une question qui va. On a déjà émis des recommandations sur le cloud. Elles sont dans le guide d'externalisation. Le cloud, c'est ni plus ni moins qu'une forme d'externalisation. Une forme extrême, peut-être, mais une forme d'externalisation. Donc, les règles que vous appliquez, enfin, les règles, en tout cas, que l'on recommande en matière d'externalisation, c'est-à-dire, je ne sais pas moi,
Je veux que mes données soient sauvegardées dans un deuxième lieu, que les sauvegardes soient chiffrées. Je veux pouvoir joindre quelqu'un si j'ai un incident de mes données le week-end ou la nuit. Je veux, enfin, j'en sais rien, moi. Ça dépend de votre business. Ben voilà, ces règles-là qui doivent s'appliquer quand on fait de l'externalisation, elles doivent s'appliquer de la même façon dans le cloud. Donc, la différence que je fais entre le cloud gratuit et le cloud payant, qui est probablement d'ailleurs une espèce d'abus de langage, c'est que dans un cas, vous ne pouvez pas négocier vos contraintes de sécurité et que dans l'autre cas, vous devez négocier. Donc, notre recommandation, c'est vous devez négocier les règles de sécurité que vous voulez. Et croyez-moi, il y a aujourd'hui des prestataires qui sont capables de répondre à vos demandes en matière de sécurité. Alors après, il y a bien sûr une discussion de coût, mais c'est possible. La DR des DR. Alors la DR des DR. Allô ? Ça marche. Bonjour Patrick. J'ai beaucoup aimé votre analogie avec la sécurité routière. Donc les voitures, donc comme la sécurité routière, on a du trafic de flux, on a de la formation, le permis de conduire, on a des bonnes pratiques sur le maintien en condition de sécurité de son véhicule, la pression, les freins. Donc finalement, on est tous bien sensibilisés, on a bien des recommandations. Malgré tout, vous l'avez cité, on a les gendarmes. On aura beau recommander aux gens de ne pas rouler trop vite, de faire attention à la vie des autres, à leur même vie, à leur propre vie, l'humain va continuer à oublier et aller très vite parce qu'il sera pressé. S'il n'y avait pas la peur du gendarme, je pense que les autoroutes seraient beaucoup plus risquées. En matière de sécurité informatique, au moins dans les grandes administrations, qui a le pouvoir de dire non à 95% des utilisateurs, le DSI. Mais qui a le pouvoir de dire non au VIP? Celui qui dira à son chauffeur, oulala, j'ai mon avion dans 20 minutes, tu roules à 200 sur l'autoroute. Là, le chauffeur, il pourra dire oui, alors non, parce que c'est peut-être mon permis, il va sauter. Une maîtrise d'ouvrage appuyée par le CAB, appuyée par les actionnaires, qui dit oui, alors c'est de la pub, il faut absolument qu'on ait une appli pour après-demain. Oui, la sécurité, oui, mais vous inquiétez pas, on la fera après, promis, comme d'hab. Qui a le pouvoir de dire non? Voilà. Merci pour ta question. Ce que j'ai essayé de dire dans mon discours, c'est deux choses. La première, c'est que c'est au patron de dire non. Lui, il a ce pouvoir-là. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il faut à tout prix le convaincre de ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est à lui d'imposer ses règles. Alors, vous aurez toujours des gens qui font des excès de vitesse et qui, bon, OK. Bon, après, c'est le 80-20 ou le 99-1 ou ce que vous voulez, mais... Voilà, c'est d'abord au patron d'imposer ses règles. C'est à lui d'édicter une charte de la sécurité, d'édicter les règles. C'est à lui de les endosser. Et puis, c'est à lui de donner l'exemple. Mais bon, ceux qui me connaissent savent que ce que j'aime bien rappeler, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, alors là, très loin s'en faut, mais il n'y a qu'une chose qui ne se délègue pas, c'est l'exemple, quand on fait du management. Mais voilà, donc c'est à lui de l'édicter. Il y a un deuxième volet que j'ai à peine ébauché dans mon discours parce que j'ai envie de dire que c'est une évolution dans la façon que à l'ANSSI on a de voir cette problématique. Je vous ai dit, je crois que d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnés. Donc aujourd'hui, ils sont sanctionnés parce que grosso modo, ils sont victimes d'attaques informatiques. Je pense qu'il va falloir aller probablement un peu plus loin que ça. Donc, pendant longtemps, j'ai dit qu'il ne doit pas y avoir de sanctions dans le domaine de la sécurité informatique parce que le niveau de maturité est tel que ça ne sert à rien. Je pense qu'on est en train, tous ici, collectivement, d'élever ce niveau de maturité et que donc, ça commence à se savoir qu'il faut faire de la sécurité informatique. J'en veux pour cause le succès des assises de la sécurité. Et qu'à partir du moment où on aura suffisamment fait élever ce niveau de conscience qu'il faut faire de la sécurité des systèmes d'information comme il faut faire du code de la route, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va pouvoir tranquillement repasser dans un mode où, d'une certaine façon, il faudra sanctionner. Alors sanctionner, c'est un mot derrière lequel on peut cacher tout un paquet de choses, hein, mais de déclarations, d'incidents,
de sanctions individuelles. Enfin, il y a derrière le mot sanction tout un paquet de choses. Mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Mais moi, je suis intimement convaincu que dans les années qui viennent, au fur et à mesure qu'on aura réussi à faire élever ce niveau, sur nos règles d'hygiène, c'est bien un peu l'idée qu'on a quand même. Hein. Je veux dire, l'idée qu'on a, c'est qu'il y a 40 règles. Voilà, une entreprise qui ne les respecte pas, voilà quoi. Quelque part, probablement un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il y ait une sanction. Cette sanction pouvant être le marché, pouvant être la compagnie d'assurance, pouvant être l'État, pouvant être ce qu'on veut, un régulateur, enfin, ça va dépendre évidemment du modèle. Voilà, merci. Merci à tous et puis bonnes assises. Patrick sera avec nous toute la journée, donc pourra bien évidemment répondre de façon aux uns et aux autres tout à fait personnalisée. Bon appétit, merci Patrick, merci beaucoup.